Azul à toutes et à tous. Alors, nous gardons qui d'autre même à l'hôtel Marriott. Andan va résider juste pas loin des studios d'enregistrement. Là, on monte dans la chambre. Question d'hôtel Snemi, que les hôtels hein, de qualité. Là, par rapport à celui d'Alger, rien à voir. Franchement, vive celui d'Alger, comme d'habitude. Je teste toujours le lit en sautant dessus. Là, on s'est préparé pour aller à l'apéro, dans le studio même, histoire de faire le point avec l'équipe. Bah, vous voyez l'entrée. Et là, on est dans les studios d'enregistrement de l'émission Proprio à tout prix. Bel accueil, équipe chaleureuse avec les autres chroniqueurs. Voilà, on a passé un bon petit moment. Ah là, mais nous, on la voit bien rassurée, sûre d'elle, comme d'habitude, prête pour affronter sa première émission et son premier enregistrement. Et là, vous me voyez, j'étais en train de vous dire que j'étais hyper nostalgique de ces plateaux parce que, Kentou Alam, j'ai déjà travaillé chez M6 Boutique et du coup, ça m'a vraiment donné envie de réintégrer le groupe M6. Why not, hein, un jour? Franchement, c'est un univers et un domaine que j'affectionne particulièrement. Vous voyez, donc on voit vraiment le sourire, hein? Là, j'étais en train de taquiner Outhman, ma sœur. Voilà, là, on est parti manger après, on s'est fait un petit tête-à-tête ensemble dans un restaurant, pas loin de l'hôtel. Et là, c'est le matin, petit déj à l'hôtel. Marriott, la plaine Saint-Denis, franchement. Je vais vous dire une chose, je vous donne une note de 5 sur 10. Là, on s'est changé et on est go pour l'émission. Voilà, nous on est déterminés, on voit, hein, elle marche d'un pas déterminé. Ah, c'est bien. Et là, on est arrivé, vous voyez, hein, elle marche vraiment avec des pas bien déterminés. Ah oui, femme d'affaires. Cléon Denier, si vous avez des biens à vendre, il faut la contacter. Vous inquiétez pas, elle s'occupe vraiment. Et là, on a trouvé donc le premier, enfin, la première équipe qui est passée. Là, on est dans les coulisses, en train de, voilà, de regarder. Et d'observer, hein. Vous voyez l'équipe de tournage, super sympathique, franchement très accueillant. Voilà, la première équipe vient de terminer. Mennoun, elle passe entre les mains du grand maquilleur de star Max. Franchement, c'est un type, mais magnifique. Le travail qu'il fait, il est juste rien à dire. Il y a beaucoup de stars qui sont passées entre ses mains. Gros bisous, Max. Donc, un petit clin d'œil. C'est lui qui maquille les mannequins de Chanel et des défilés. Ah là, c'est la maison de Louise. Là, ça va être le tour de l'équipe, la deuxième équipe, donc, dont elle fait partie. Voilà, elle est en train de se positionner et pour prendre des souvenirs. Voilà, franchement, je les commentaires hier, neuf laisse. Hein, ça lui va trop bien. Et là, la grande surprise, c'est Pete Paccardi qui est venu. Là, ils sont en train de lui faire l'interview. Et là, vous allez me voir avec Pete Paccardi, à qui j'ai offert notre parfum Maison de Louise. Bien sûr, obsession, hein.
logement est trop grand, il faut chercher un plus petit. Contrairement à l'essence, logement trop petit, il faut chercher une pièce en plus. Voilà, les retraités préfèrent quitter les grandes villes pour aller. Voilà. Et puis on abandonne souvent la maison à étage pour la maison de plein pied. Voilà. Pour des raisons pratiques, ouais. Et puis on pense, bon fort aussi. Exactement, ouais. Exactement. Et puis la seconde raison, c'est professionnel. C'est qu'il y a une mutation, ou voilà, un travail, tout à fait. Ce qu'on appelle un les mutants, hein, qui est, c'est exactement, ça, hein, on est d'accord. Bon. ou une perte de travail, et puis il n'y a rien qui retient les personnes dans l'endroit. Ah, et on utilise, on va tenter l'aventure dans voilà. Une ville. Tout à fait. Très bien, donc voilà, on a un peu le portrait robot des gens qui déménagent.